Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On est dans ton univers aujourd'hui. Oui. C'est le titre que je travaille. C'est oui. Mon atelier. L'atelier. En fait, c'est quoi l'histoire de Marie Cuir? Comment est devenue Marie? Comment elle est devenue Marie Cuir? Ben, c'est ça, c'est avec les années. Je n'ai pas été Marie Cuir tout à 16 ans, mais j'ai commencé vers 16 ans à travailler le cuir. J'ai commencé à l'école au secondaire. Puis on a pris des petits cours de cuir là, sur l'heure du midi. C'est des cours parascolaires qui appelaient dans ce temps-là. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre le cuir. Puis après ça, bien, j'ai continué vraiment tout ça. Là. C'était autodidacte. Chez ma mère, il y avait un saoul, il y avait un genre de petit atelier. Puis je m'amusais à tailler du cuir là, dans mes choses là. OK. Puis c'est-à-dire que ta mère, c'est-tu tes parents qui t'ont inculqué ça ou ta mère faisait-tu du... de l'artisanat. Ouais, elle fait de la couture, puis là, elle a fait de la peinture aussi. Okay. Elle tricote beaucoup aussi. Elle tricote encore. OK. Puis est-ce qu'elle a une grosse famille, ta mère? On était 7 enfants, nous autres. Ah, 7 enfants. Ah, puis toi, t'as fait 7 enfants. Puis moi, j'ai eu 7 enfants. Je suis rendue à 7 petits-enfants. Mon Dieu, le chiffre 7 est important. Ben oui, c'est hein? Présent. Il est présent. Et puis toi, tu disais que tu as fait des trucs dans le sous-sol de chez tes parents ouais, par toi-même. Puis ensuite, comment tu as commencé à faire tout ça par toi-même? Bien, j'ai acheté des petits... on me disait que je voulais avoir une bourse. Fait que j'allais chez Tandy, sa rue Racine, dans ce temps-là, il y avait un Tandy. Là, tu pouvais acheter des petits kits pour commencer. Là. Ça fait que c'est comme des bourses qui étaient taillées d'avance, percées d'avance. Okay. Puis là, je pouvais le dessiner. Ça, je savais comment faire, le dessiner, le teindre, tout ça. Fait que là, je montais ma bourse, puis je la faisais toute. Mais après ça, je me suis dit, bien, quand je vais m'acheter des pots de cuir, puis après ça, je vais les tailler moi-même, puis je vais faire le modèle pour la grandeur que je veux. OK. Fait que là, j'ai fait mes patrons moi-même, puis mes modèles. Puis, ah! C'est comme ça, ça a commencé tranquillement. Mais c'est quoi qui a fait que tu as dit on va mettre ça sur un tableau? Ben, c'est des boîtes qui étaient remplies de cuir, là. Puis, tu sais, je n'avais pas assez de cuir pour commencer à faire des bourses, puis tout d'affaires avec. Une grosse pièce. Ouais, je me suis dit, là, je vais essayer de faire des petits tableaux. Hein. Alors, ça, c'était un thème. C'était. Il fallait parler de nos racines, là. C'était comme un concours. De nos racines, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme l'histoire de la région. OK, fait que celui-là, il y a. Celui-là, il était vraiment. Ouais, celui-là, il y a vraiment un thème. Celui-là, il s'appelle Des racines. OK. Au départ, tu vois les Indiens qui sont sur la route, tu sais, le fjord du Saguenay. Puis après ça, tu vois que dans l'ancien temps, tu sais, le soir, ils n'écoutaient pas la télévision, tu sais, ils jouaient au violon, c'était la famille. Puis après ça, tu vois que les racines, les souches et racines. Puis après ça, ensuite, tu vois l'hiver. Tout l'hiver, mais tu sais, c'est les villages, la caisse populaire, tu avais l'église, tu sais, le principal, le magasin général, la meunerie. Puis tu vois en haut le lac Saint-Jean avec des poissons. Ben, c'est plein de petits détails. Il y a tous les détails. Puis là aussi, là, ici, comme les mains, c'est ça signifie le travail, avec le petit livre ouvert. Ça, c'est le livre des connaissances. Mm-hmm. Ouais. Après ça, tu vois la population en haut, le train, la chute de Vajalbert, les bleus. C'est toute l'histoire de la région. Hein. C'est vraiment intéressant. Mm. Marie, dis-nous comment tu fais un tableau? La première étape, on récupère des cordes qu'on trouve dans les friperies ou bien qu'il y en a des fois qui nous donnent des cordes aussi, des vieux cordes qui ne servent plus. Puis après ça, on a des belles peaux de cuir comme ça, qui n'a comme pas de finition dessus, puis il n'y a pas trop de couleur non plus. Mm-hmm. Ça fait qu'on prend ces cuirs-là. Puis après ça, comme là, je prends ça, puis là, je colle le cuir, puis je donne les plis que je veux donner, puis là, ça, c'est le fond du tableau. Puis après ça, j'ai fait des fleurs comme ça, qui sont comme ça, je les ai peints, puis ça, qui vont aller sur ce tableau-là. J'ai trempé dans le blanc, ils ont une couche, ils ont séché. Puis après ça, je vais les repeindre par après. On en fait ça, une fleur, tu sais? Oui. Parce que quand tu modèles, tu mouilles dans de l'eau. Ouais, tu mouilles dans de l'eau. Puis après ça, quand il va sécher, là, il va durcir, puis il va garder sa forme. Quand tu mets de l'eau, il est malléable. Au départ, il est quand même assez rigide. Bon, mais quand tu mouilles, il vient. Il vient mou, puis regarde, je le cache, je le travaille. Ah, c'est donc bien. Puis après ça, quand je le modèle, puis je le place comme que je veux. Je place mes fleurs. Je suis habituée à travailler ça. Bien, moi, j'imagine que la première fois, c'est pas aussi facile, hein? Toi, tu utilises ça une way, mais je pense pas. Tu passes par en dessous, puis là, tu donnes les fonds par en dessous, puis t'essaies de le modeler. Ah! Bien, tu OK.
Puis ensuite, de ça, c'est tu t'en viens l'appliquer sur, sur le ben le là, corps. Je vais peindre mon fond en premier. OK. Comme là, ça, c'est sûr que j'ai fait. Là, j'ai peint mon fond. T'as fait fini ça, mon fond? OK. Là, j'ai peint mon fond. Une fois qu'après ça, tu sais, j'ai peint mes fleurs, je les ai faites avant. Mm-hmm. Puis après ça, comme tu vois, j'ai mis des fleurs, mais tu sais, c'est pas juste collé, là. Tu sais, je l'ai installé avec une broche. Ah, sont vraiment... Ils sont vraiment bien fixés. Ils peuvent pas tomber, là. Ils sont vraiment bien installés. Mais pour ça, eux autres, là, j'ai fait des feuillages comme ça. Ça, ça va venir se rajouter, ça va venir pendu. C'est un tableau qui va aller comme ça en losange. OK. Tu sais, je vais venir installer ça, là, comme ça. Je sais pas trop encore, mais c'est comme ça, là. Ça va pendre. Ça, tout le long du tableau. Un peu alentour, là, comme... Ouais, comme ça, en descendant. Ça va être super, de tout. Quand ça va tout être fini, bien, on met une finition par-dessus qui protège, ça fait que ça va l'imperméabiliser. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça va... C'est sûr que ça ne tâchera pas non plus. Tu vas pas la nettoyer avec un linge humide à mon avis, si tu veux aussi. Bien, comme le feuillage a été fait, au départ, il est comme ça. Là. C'est okay. Un cuir de pâte. C'est fin comme ça. Ah, il est déjà vert, lui. Oui, il est déjà vert, mais il est juste tendu. Tu vois qu'il n'y a pas de finition dessus. Fait que je peux le repeindre par-dessus. Fait que, regarde, tu vois, j'ai fait une base comme ça avec des broches. Là, mm-hmm. Là je me fais mon affaire. Là. Après ça, tu sais, je vais coller plus par-dessus. Là, si tu veux qu'on le peigne, on peut le peindre. Oui. On va aller chercher la peinture. J'aimerais. Et ça, les pigmentations. Okay. Ah, même faire travailler pour moi. Le plus dur, c'est déboucher les cruchons. Ça, j'ai tout à l'aviser. C'est tout incollé. Qui est plus fort que moi? Bon, lui, je suis correct. C'est vrai qu'il est collé. Des fois, il faut que j'aille à la chercher de l'eau chaude. Tiens, là, ah, c'est des pignons. Pour mes tournesols. Après ça, il reste un envers à faire, mais après ça, c'est comme tu vois ici, là, t'as une belle tige. Ça, c'est des tuyaux cuivre là, qui c'est flexible. Ça fait que tu peux, une fois qu'il va être fait, la personne, elle peut l'installer et le placer comme qu'elle veut. OK, je vais te tenir ça pendant que tu nous expliques. Bien, c'est ça. Ça va c'est... aller. Faut que j'aille l'accrocher après ma fleur. Comme ça, j'ai accroché après ma fleur. OK. Tu sais, je les accroche après. Après ça, je rhabille mon... À la fin. Oui, à la fin. Elle aussi, elle va aller s'installer après ça. Là. Je vais après ça. Okay. Je mets ce feuillage-là. Ça va être un ça va donner un autre... Ouais, un autre bébé. Ouais, un petit bébé tournesol. Tiens, ça va être beau, hein, quand on a mis tout ça. Ouais. Ça ouais. C'est ça. Parfait. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bon, bien Marie, on a vu tout à l'heure, on a fait un tableau ensemble, on s'est bien amusé, mais là, j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi tous les produits que Marie Cuir fait, confectionne. Donc, on n'a pas juste des tableaux, on a des bijoux. Des bijoux. Ça, c'est des belles barrettes pour les cheveux. Oui. J'en ai toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. Les grosseurs. Ça, c'est des pics à cheveux. Faites avec la même méthode qu'on a faite tantôt, qu'on a fait la belle fleur de cuir, qu'on a faite comme ça tantôt. Là, je l'ai repeinturé, je l'ai installé sur un bâton. Là, avec ça, on attache les cheveux. Ah. Tu veux-tu qu'on l'essaye? Oui, pourquoi pas? Oui, hein, on va l'essayer. Amuse-toi. Je vais t'enlever ta petite. Puis là, je vais t'organiser ça. Tu vas me faire une coiffure. Oui, je vais te faire une coiffure. Il faut que tu prennes tes cheveux, tes roues, comme ça, l'entour de ton... Après ça, tu repiques, puis là, il faut que tu reviennes empoigner tes cheveux comme ça. Ah! Ouais, regarde, mon petit comme ça. Voilà, ok, comme ça. Regarde, c'est beau. Ça fait un beau. Hein. Ça décore bien les cheveux. Un cours 101 sur. Un cours 101. Puis si tu veux, tu peux tout prendre tes cheveux. Hein. Là, comme si tu veux, genre, tu montes tous tes cheveux. Tu les reprends tout en même temps. Tu tournes alentour de ton bâton. Tu vas chercher des cheveux de ton cuir chevelu comme ça. Mm-hmm. Là, tu vas piquer dans ton boudin comme ça. Là, ça tient bien solide.
Alors là, moi, il sort plus, là. Hein? Non, là, il sort plus. Je pars avec. Tu fais aussi d'autres beaux produits. Oui, les ceintures. Les ceintures, comme ceux-là, ils ont comme les plus larges, ils ont comme des snaps. Fait que la personne, si elle a un autre bouc, bien, si elle veut changer de bouc, elle peut changer sa peau. Ceux-là, je les coupe et je les perce sur mesure, mes ceintures. Puis si tu regardes, il y a vraiment tout plein de motifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Il y en a des plus simples, puis il y en a des plus fleuris. Il y en a des vraiment là, pour tous les goûts. Même là, des fois, il y en a qui en demandent sur commande. Ça, c'est des gaz pour faire des guitares. Oh! Puis ensuite, on a d'autres belles choses. On a des belles liseuses. Les liseuses, ça, j'en ai pour tous les formats, pour toutes les grandeurs de livres. Puis il y en a plusieurs qui en font faire sur commande aussi, des fois. Il y en a qui veulent un livre particulier. Surtout pour le livre. Ah, oui, oui, il y en a qui ont des livres précieux. Là. Fait que là, ils veulent pas qu'ils brisent, que ça protège bien le livre. Puis ils ont tout le petit signe à l'intérieur aussi. Mais il y en a quand j'exposais à Montréal au Salon des métiers d'art, ils en voulaient pour. Parce que quand ils vont dans le métro, ils n'aiment pas ça que tout le monde voit quel livre qu'ils lisent. Fait que ça fait comme caché. On en monte aussi sur des pierres. Ça, c'est des pierres, c'est nous autres qui ramassons des pierres de quartz. Vous les ramassez? Oui, à Saint-François-de-Sales. Ouais. Il y a des cristaux de quartz à l'intérieur. Puis après ça, on fait un beau montage avec ça. Et j'ai vu qu'il y avait des colliers et des boucles d'oreilles. C'est toutes des fleurs qu'on demandait, qu'on a modelées. Okay. Puis là, le tressage, là, ben, ouais. Ça, sont toutes tressées différemment. Puis ça, c'est une de mes filles qui fait ça. Okay. C'est Violette qui s'appelle là. C'est toute elle qui fait le tressage là, de mes colliers. Puis elle les monte toujours de façon différente. Là. Ça, c'est tous des colliers ajustables aussi. Là. Tu peux mettre la grandeur que tu veux. OK. Et puis toi, Marie, est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que tu désires développer d'autres produits ou t'attarder à ta boutique? Quels sont tes... Les projets futurs? Ben, c'est sûr que moi, j'ai des petits nouveaux produits qui vont d'ici cet été, que je vais sortir, que tu ne vois pas ces tablettes. Ah, là, ils ne sont pas encore sortis. Comme? J'ai des petites idées. Là. Ah, on ne peut pas savoir. Non, c'est à voir. Et puis, toi, on te rejoint, tu as un site Internet. Oui, oui. Puis ici, c'est ouvert à tous les jours aussi. À tous les jours. Bien, l'été, tous les jours. Mais la fin de semaine, peut-être pendant l'hiver, c'est mieux d'appeler avant pour être sûr que je sois là. OK. Et dis-moi, Marie, ces produits-là, on les retrouve ici, mais on les retrouve aussi dans d'autres endroits, je crois, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, dans les musées, à Pulperie, le musée du Fjord. Merci, Marie, de nous avoir accueillis dans ton univers. J'espère que vous avez apprécié la visite. Bien sûr! Pneus Erguer, fier partenaire de la Route des artisans.